Bien, alors les amis, je me suis décidé à du coup enfin me mettre sur Hello Neighbor Hide and Seek. Et je pense que je vais incorporer ce jeu-là du coup dans... En fait, j'avais un projet de vidéo qui était de faire une analyse notamment de la psychologie dans ce jeu vidéo. Je voulais d'abord me concentrer sur le premier et puis faire le 2. Et après coup, je me suis aperçu bien que faire les deux à part n'allait pas forcément être la meilleure formule. Du coup, je pense que je vais d'abord finir celui-là, en sachant qu'il confirme la majorité des théories qui ont été mises en avant dans le premier. Et je pense que combiner les deux sera peut-être un peu plus pertinent et faire du coup un découpage par chapitre que de faire deux vidéos à part. Bref, j'avais fait un premier jet également sur celui-là hier, mais il s'avère que j'ai pété un câble. Le premier stage m'a foutu par terre, tellement ça m'a énervé. Et du coup, je refais le jet, parce que l'autre ça allait être 10 fois trop long et je pouvais pas enregistrer non plus pendant 36 000 ans. Ce pourquoi il y a marqué continuer. Voilà, en plus du fait que je voulais faire des réglages avant d'enregistrer. Non mais... Et nous sommes partis. C'est quoi ce réglage de merde ? Reprendre. Alors, je comprends pas pourquoi la cinématique est comme ça. Hein. Je comprends pas pourquoi il y a des bandes noires. Ah d'accord, la cinématique a des bandes noires, mais alors par contre le jeu il est nickel. Ok. D'accord. Bon du coup je connais les touches. Et notre protagoniste du prochain jeu, enfin du jeu précédent, joue tranquillement dehors, ne se préoccupant pas de ce qui se passe chez les voisins pour le moment. J'adore les sons de ce jeu, franchement. Et nous voilà plongés dans l'enfer. Parce que oui, je vous le dis, c'est l'enfer. Je me suis fait gauler plein de fois et il s'avère que bah, si vous vous faites gauler plusieurs fois, le petit frère, enfin le grand frère plutôt, je ne sais pas si c'est le grand ou si c'est le petit, enfin bref, le frère, vous ramène une vie d'enfer. Et vous repiquera tous les jouets enfin, vous repiquera notamment les jouets un à un. Et du coup, vous serez obligé, eh bien, de les re-rechercher, mais à des endroits différents. Voilà, voilà. C'est pourquoi il faut faire très attention. Et des fois, ils vous détectent, mais on ne sait pas comment. C'est le must de ce jeu. Avec les buissons, on voit que d'un côté à travers, hein, parce que si l'ennemi est de ce côté-là, vous ne voyez rien. Voilà, 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 voilà. C'est notamment ce qui m'a fait suer hier, quand j'ai voulu enregistrer la première fois. Mais du coup, au moins, je sais où je vais. Néanmoins, le truc pénible, c'est que je ne sais pas où il se cache la majorité du temps. Bon, la taupe, là. Et je préfère les mettre un à un. Dans le panier. Et l'horloge là-haut nous indique du coup où est-ce que nous en sommes. Oh là là. Il est pile à l'endroit où je ne veux pas qu'il soit. Voilà, du coup j'en ai profité pour régler mon son parce que ce jeu est fort. Et très fort. Et on ne peut pas régler le son dans le jeu. Enfin, il y a des paramètres, mais on ne peut pas les régler comme on veut, quoi. C'est fabuleux. On est en 2020, on ne peut pas régler un jeu comme on veut. Oh, mais il est dans le panier! Qu'est-ce qu'il fout dans le panier? Mais tu sais... Petite crapule! Oh, je pense que maintenant, ça devrait être bon, non? Zut! J'ai lâché la peluche. J'ai
J'ai paniqué. J'ai lâché la peluche, quoi. Elle est où, du coup? Zut. Oh non. Et le lion, j'en... Hier, j'ai eu le même problème. Hier, j'en ai sué pour avoir le lion. Je croyais qu'à un endroit aussi, il y avait la valve, il y avait une manette... Bon, et eh ben le lion a été planqué autre part. Magnifique. Magnifique. Le rocher là. Parfait. Parce qu'il faut savoir qu'il faut boucher les geysers. Vous voyez le truc, hop. Le truc fun, c'est que on ne voit strictement rien. Bref, je crois que là-bas il y a des boîtes en carton. On va s'occuper de la marmotte. Les boîtes en carton sont là. Ouais, il en faut 3, je crois. Ah mais non, la manette, elle est dans le placard, là-bas. Il est où? Il n'a pas l'air dans le coin. C'est la peluche, ça, là-bas? Ah, attendez. Oh, sinon, ça doit être des jumelles, ça. Il mettrait pas ça en... Ouais, c'est les jumelles. Il mettrait pas ça en évidence. Bloop. De toute façon, on va bien finir par, par retrouver. Il n'est pas dans le coin. Donc non, je me suis trompée, il y avait besoin de 4 boîtes, mais c'est pas grave, on va trouver autre chose. Bon, il est par là, c'est pas grave. Bah et du coup, mon morceau de viande ne sert à rien. Mais c'est pas grave, parce que nous avons d'autres moyens de nous en sortir. Eh oui, mes amis! Zut, c'est pas par là. Je me suis trompée. C'est pas par là. Voilà, c'est par là. Parce qu'il y a des chemins bien précis où c'est très facile du coup de s'en sortir. Ah. Par contre, les collisions sont toujours aussi chaotiques. Ça, ça n'a pas changé. C'est toujours autant la mouisasse. Ah, voilà. Nous y sommes. Nous n'y sommes plus. Génial. Ah oui, c'est vrai, j'avais activé les astuces, j'avais oublié ça. Bon, en vrai, maintenant, les astuces, j'en ai plus besoin, mais bon. Oui, bah oui, je sais. Les flèches sont énormes. Voilà. Ah bah, il avait planqué le lion ici. Mais, attendez. Ah, je croyais qu'il y avait une autre peluche. Bon. Bref, passons. Descendons prudemment, parce qu'il peut être n'importe où. Il est là-bas. Il est systématiquement à l'endroit où je ne veux pas qu'il soit.
c'est une catastrophe. Alors, ah non, j'ai pas utilisé. Yes, bon maintenant laisse-moi me barrer. Ah oui, puis ce qui est fun, c'est qu'on peut aller que de droite à gauche là dans les buissons. On ne peut pas regarder autour de soi si jamais il est là, quoi. C'est un peu un problème. Et puis là, vu qu'il est prêt, je peux rien faire. Donc si ça se trouve, ce stage va se faire en plusieurs parties. Il faut que je monte, sur la montagne là. Oh, mais qui sert quoi? Voilà, vas-y, dégage. Le truc. Ah, bah voilà, il l'a mis là-haut. Puis le truc, c'est que l'IA est vraiment relou, quoi. C'est-à-dire qu'il va pas partir tant que vous êtes dans le coin. Et malheureusement, le jet est pas suffisamment fort pour que je fasse quelque chose. Ah, alors là, ça va être funky. Je suis coincé. Voilà. Alors je comprends pas pourquoi les cinématiques sont carrées comme ça. Là, j'avoue que ça me questionne. Voilà, et comme ça, il vous ramène au départ. Alors. Oh, mais vas-y, quoi. Le casse-bonbon de service. Oui, il est tombé. Parfait. Voilà. Alors du coup, le problème, c'est que lui, il est là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter du moment où il n'est pas là pour aller boucher les autres trous. Voilà, comme ça, l'autre taupe... Elle va sortir et elle va pas pouvoir rentrer. Bon, par contre, le jeu, des fois, il manque un petit peu de réaction. Voilà, dégage. Et ne reviens jamais. du coup, faut que j'aille sur le geyser qui est tout dans le fond. Voilà, ce geyser là. Ah ah. Du coup, là, on va faire suer le vautour. Et
Je suis coincée. Au secours. Voilà. Donc là, j'en ai deux. Néanmoins, il y en a un autre là. Et il faut que j'aille jusqu'à l'armoire sans pour autant tomber. Parce que vous voyez là dans le coin, il y a le petit fusil. Mais les collisions en ont décidé autrement. Bien entendu. Voilà, vous voyez, on glisse. Je reste prudente. Alors c'est... Ah ouais, c'est vrai, d'ici je ne vois pas. Cependant, ça ne change rien au fait qu'il faut que j'y retourne. Et qu'il y a deux autres peluches là en bas. C'est vrai. Le temps de réaction, mes amis. Il y en a un autre dans le seau aussi, qu'on ira chercher tout à l'heure. Voilà, il faut que j'arrive... Pas que je tombe trop. Yes! Alors le problème, c'est que je peux pas attraper le lémurien et aller attraper le fusil. Enfin, je ne crois pas. Ah si! Je peux! Je peux! Voilà. Comme ça, il ne viendra pas nous embêter. Le truc, c'est que je ne le vois pas, là. Je sais pas où il est. Il est là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a deux peluches, là. Bon bah j'en prends... Oh, profitez, zut! J'avais pas vu. Ça avance, ça avance. On va y arriver. Et bah le truc c'est que je n'ai plus rien à faire en haut, donc il va falloir que j'aille chercher un rocher et que je le déplace. On va enlever ce rocher là. Zut. Voilà. OK. Du coup, celui-là... Ah, il a dû tomber. Zut. Parce que le singe, en fait, il fallait le fusil pour tirer dans l'arbre et faire en sorte que le singe tombe. Et comme je n'entendais plus le cri, je pense qu'il a dû tomber. Par contre, j'adore l'IA qui, si jamais elle est bloquée par une caisse ou autre, se réserve le droit de lui foutre un gros coup de pied. Ah, ça doit être bon.
Par contre, ah, le singe est tombé là. Par contre, c'est ça qui est problématique. Oh bah si, ça a quand même marché. Du coup, on n'a pas d'autre choix que de faire appel au corbeau. On a peut-être dû choper le singe en même temps, mais bon. C'est pas grave. C'est vrai, il y a ces deux-là. Les deux qui ont été laissés par le vautour, il y en a une qui est sur le guéridon, un quatrième sur le porte-clés, enfin sur le panneau où il y a les clés. Alors oui, avant tout, voilà, parce que vous voyez, je m'ai surprise à trois fois quand même. Donc, on va prendre... Zut. Vu que ce sont les plus simples, je vais d'abord faire les plus compliqués. Allô. Ah ouais, bah du coup, il a mis le... Ah non, c'est l'éléphant. Ça passe. Ouh la vache. Du coup, il n'y en a pas une là-dedans. Visiblement pas. Et zut. Je voulais voir en fait si derrière le tiroir, il l'avait pas planqué là. Mais apparemment pas. Voilà. Et est-ce qu'il fait comme hier ou pas? Ah, j'en ai deux, c'est vrai, dans la main. Faudrait peut-être que je pense à les amener au panier. Parce qu'il y en avait une de planquée dans le coin là hier. Mais j'avoue que là, je ne pense pas qu'il se soit fait suer à faire ça. Je ne pense pas. Il y a toujours les deux là-bas. On va essayer de viser pour retourner sur le poste radio. Voilà.
Oh bah il en a replanqué une là-haut. Pff. Ok. On en est où? On n'a pas fini. On n'a pas fini du tout parce que je crois qu'il y en a une aussi sur les cartons. Il me semble. Puis il y a d'autres choses là-haut. Il y en a d'autres là-haut. Il y a d'autres trucs là. Donc là-bas, c'est bon. Ça se fait progressivement. Punaise, il est juste là. C'est pas grave, je vais retourner là-haut. Alors, est-ce que du coup il est parti ou il est pas parti? Bon, pour l'instant, il a l'air d'être parti. L'avoir vu, mais je suis pas sûre. Il est là. Mince, ah oui. Il se barre pas loin, quoi. Bon, il y en avait là hier. Non, moi, ça coûte rien de jeter un petit coup d'œil. Il y en avait bel et bien un. C'était la gazelle. Attendez, c'est une blague. Zut. Vite, balance-moi ça! Non, mais non, mais non, mais non! C'est pas vrai! Je ne sais plus, j'en avais deux! Oh, c'est pas possible! Justement, quand on approche de la fin, c'est terrible quand ça arrive. Du coup, faut chercher partout. J'ai voulu être trop gourmande, j'aurais jamais dû faire ça. Il y en a un là-haut. Hop là. Il en a refoutu un là-bas, je le vois. Ouais, c'est ça. Il en a refoutu un là-bas. Voilà.
On va essayer. Perdu. Mais non, mais barre-toi, barre-toi. Mais dégage. Cette frayeur. Au secours, quoi. Ah ah! C'était donc la gazelle. Donc ça c'est bon. Oh la vache! On était à la moitié tout à l'heure. Il va falloir qu'on retourne sur les toits. Vite, mais ça... Oh putain. Ah ça c'est fun. Bon. Allez. Il y a une armoire là. Ah ah. Vite, pas trop haut, pas trop dessus. Allez. Que je retourne voir là-haut, du coup. Il est où? Ça, c'est les jumelles. Il est là. Alors, voyons voir où nous en sommes. Ok. Y a plus rien dans le seau là? Non, y a plus rien. Oh, mais oui, c'est vrai qu'il y a le placard là. C'est vrai qu'il y a le placard, j'avais oublié. Non, y a rien là. Y a quelque chose là par contre. Uh-huh. Il est où ?
sûr de... Il est tout là-bas. Manque de bol pour moi, c'est là que je voulais aller. Parce qu'il faut que je remonte. Et nous en sommes à... Oh, oh, oh. On en est à Shai. Voilà ce qui se passe. Bon. On va faire un dernier check par contre de ce côté-ci. Voilà. Ah, il y en a un dans le tiroir. Zut. J'ai voulu m'échapper, je sais pas ce que j'ai fait. Ah ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais non, mais... Pourquoi ? Bon, je vais en profiter pour aller chercher la valve. Bon. On en a donc deux sur le sol là-bas. On en a une là. Il va en manquer deux. Si je compte bien par rapport à l'horloge, hein. Parfait. Bon. Non, il s'irait pas en planquer un derrière, je crois pas. Je ne pense pas. Eh bien non. Non, ce sont des films. Mais l'armoire, pourquoi j'ai pas été voir dans l'armoire? Pourquoi? Punaise, il est pile au moment, au pile à l'endroit où je veux pas qu'il soit. Au secours. Ah, pas assez de... Je sauvegarde tout le temps maintenant. C'est un réflexe. Oui, oui. Au secours, quoi. On est en train de s'en sortir, on s'en sort.
sors. Allez, va dans l'autre zone, s'il te plaît. Va dans l'autre zone, please. Il va pas dans l'autre zone, il revient vers le bassin, c'est pas du tout ce que je voulais. C'est bien parce que là, je ne vois strictement rien de ce qui se passe. C'est fabuleux. Ils auraient pas pu penser à une texture un peu plus clairsemée comme là, 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 c'est parfait. Là, c'est super. Mais pourquoi là, c'est... Voilà. Il est à côté. C'est un jeu de patience aussi. Hein. C'est un jeu de très très grande patience. Ah, bah voilà. Mais alors du coup... Bah ouais, on n'y est pas du tout, là. Il reste les deux lémuriens, là. Zut. J'ai eu le temps d'en choper un, c'est déjà ça. Mais là, le problème, c'est que je doute fort... Hein. On est tout là. On va attendre un petit peu. Parce que là, il va dans le placard. Donc là, je peux clairement rien faire. Génial, je vois rien. J'ai bien fait de pas sortir tout de suite, hein. Parce que j'étais tentée. J'étais vraiment tentée. Puis le truc, c'est que si je sors là, même s'il a le dos tourné, il va me voir. Voilà, il en manque une. C'est ça, il en manque une. Il l'aurait pas caché là, par hasard. Non, apparemment, non. Bon, par contre, faut que j'enlève... Je vous jure que j'ai appuyé sur le bouton. Oh, mais il m'en a piqué combien encore? Oh non! Je vous jure, j'ai appuyé sur ce bouton-là. Mais ça me l'a pas pris en compte parce que ma manette est vieille et qu'elle a tendance à ne pas... Frustration, voilà. C'est la frustration de ma jeunesse. Bon bah du coup, je voulais retourner là-haut, bah ça va être l'occasion. Voilà, bah bingo, hein, il en avait replanqué une là. Dans un sens, j'ai envie de charger. J'ai envie de charger... Ah ouais, autosave. C'était quoi l'autosave? Ah ouais, c'est après qu'il m'ait tout piqué, quoi. J'ai l'impression que c'est en train de me flinguer toutes mes sauvegardes chargées.
Eh ouais, ça me flingue toutes mes sauvegardes. Génial. Super. En fait, ça ne marche pas. Magnifique. Alors là, c'est fabuleux. Hein. Franchement, j'adore. Ah bah si. Si, si. Non, non, c'est bon, en fait. C'est juste que... Si, si, parce que normalement, c'était ce truc-là qui était pas bouché. Et bon, on va retourner là-haut. Ouais, c'est ça. Bon bah... Voilà, on est là-dessus. Ok. Ok, ok. Voilà. Wow. Je vole. Il est planqué où? J'ai bien fait de faire le tour et ne pas aller chercher l'autre lémurien tout de suite. Hein. Ça se trouve, il y en a un sur l'arbre. Eh bien non, il n'y en a pas sur l'arbre. Par contre, lui, il est là. Il y a un autre lémurien là-bas. Ok. C'est pas vrai, il a refait le truc. Il a refait la même chose. Et il y a le dernier lémurien là. Bon. Oh! Vite. Vite. Oh la vache. Dernier.
c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Bah bien sûr, bah bien sûr, mais oui, bien sûr. Il faut que tu te casses, petit frère. Allô? Il y en a encore un. Il y en a un dernier et je sais pas où il est, ça me saoule. On va se planquer là. On va sauvegarder là. Voilà. Et nous chercherons la dernière peluche la prochaine fois. Bien, j'espère que ce premier jet sur Hello Neighbor Hide and Seek vous aura plu. En tout cas, moi, je m'éclate. Je m'éclate. Mais ça me frustre quand même un peu. Mais ça prend la détermination et c'est ça que j'adore. Voilà, je vous retrouve très prochainement, les amis. Ciao tout le monde.